à quoi. Si c'est pas la croix de guerre, c'est que ça sera la croix de bois. Mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre accueil. Je vous le reporte, je le reporte sur vous tous. Autrement dit, l'affection croissante que vient aller vers moi va vers ce que représente le mouvement croissant. Aussi profondément sincère de cette hymne à l'espoir, à la joie, à l'honneur. Paraissait endormi. Pour certains, les dix étaient éteints. Nos ennemis les croyaient à jamais morts. Les qualités et les vertus les plus nobles de notre race. Toutes celles, aux époques les plus critiques et les plus angoissantes de notre histoire. Alors que l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise, on sut chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli. Ce miracle, qui dès la première heure, dans un élan unanime de fraternité et de confiance, a rapproché tous les Français divisés
la veille, par des petits pensions, mon propos espérons-le, ne reflétons pas après la guerre, se renouveler tous les jours, depuis que celle-ci a commencé, et que le barbare souille notre sol. Je suis avec fierté dans sa défense du travail, de la famille, de la cité, des frontières, contre le marxisme sacrilège et dévastateur. Je désigne, en dépit des campagnes de haine, comme l'apôtre rayonnant de la réconciliation française, comme le défenseur incontesté des trois couleurs, pour lesquelles il sacrifie, dédaigneux du danger, son repos et sa vie familiale, jure solennellement de le suivre dans la discipline et l'affection, de le défendre inébranlablement, si on attendait à sa liberté, comme à celle de son parti. Geste croix de feu ramènera la France à sa tradition, l'entraînera vers le progrès humain, la restituera vivante et rajeunie au peuple de chez nous. Celui-ci, on ne saurait niveler vers le bas sans le jeter dans la décadence, ne retrouvera l'expression de son génie que par un effort constant pour égaliser ses enfants vers les sommets de l'âme, de l'esprit, de la fraternité sociale. Ainsi, notre pays a-t-il rendu à ses destins. Nous voulons la France française. J'ai l'habitude des assemblées. Je vois une flamme qui ne trompe pas. Ta flamme, cette flamme, c'est l'élan, le don de soi, la confiance, celle qui, à la place des deux enfants qui vous pleurez, vous apporte tous ces jeunes hommes de France et dont ils veulent transférer au cœur de notre cœur que nous savons refuser. Ils disent autre chose aussi. Dans l'année qui vient de finir, à une heure
phare. Le souffle fait, l'haleine fétide de la trahison. Dans notre grand cœur de chrétien, j'avais trouvé la force de marcher. Nous ne pardonnons pas. Thank you.
attentifs à mes appels, ouvrez vos bras aux enfants qui ne sont pas encore des nôtres. Pas impuissants de ce monde anarchique, égoïste et domestiqué ne peut se targuer d'avoir financé et influencé nos entreprises. Vous êtes vos propres commanditaires, vos uniques protecteurs. Vous êtes qualifiés par le commandement de nos morts victorieux, nourris par la tradition de 15 siècles d'honneur et de générosité, riche d'audace à tous les progrès humains. Votre lutte, il est du triomphe de l'organisation, de la vigueur et de la pureté. Amènerez la concorde, vous assurerez la paix, et si triomphe du drapeau tricolore, je vous souhaite. Envahi de 20 fois depuis la révolution. Cela pour nous, c'est devoir essentiel, commandement de la patrie. Rester unis, mieux connaître l'Allemagne, faire mieux connaître la France, ne plus oublier, prévoir. Écoutons la voix des tranchées et des morts. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été plus dure. Les Français suivaient de chemins différents. Ils se sont rejoints à nos travaux. Même dévouement, même idéal. Les héros qui affrontent la mort, passent avant de s'éteindre,
vers vous, là, de vrai, on a dit non, mortel. Et l'ennemi ne comprend pas de ce qui nous déchirait et ce qui nous unit, la frontière de soi. Jamais, même au pire honteur, n'a senti la mort présente comme aujourd'hui.
être obligé de voir ça. Gardez pour toujours dans ta mémoire mon esprit de paix.